وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteurs d'Allah, mes frères, mes sœurs, nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur le tafsir de l'imam al-Sa'di et en amenant des compléments, inshallah, d'autres savants de la sunna concernant, inshallah, la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première sourate dont on va parler aujourd'hui, c'est sourate al-Masad, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Donc cette sourate, elle a tiré son titre de son dernier verset, Fijidiha hablum min masad. Masad, ça veut dire les fibres. Les savants qui sont occupés de la science du Coran ont divergé sur le sens des sourates mécoises et médinoises. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains ont dit, les sourates mécoises, c'est celles qui ont été révélées alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Et les médinoises, c'est celles qui ont été révélées alors qu'il était à Médine. Donc ils ont regardé le lieu. D'autres n'ont pas regardé le lieu. Mais on dit les sourates mécoises, c'est celles qui sont avant l'Hijra, peu importe où elle a été révélée. Et les sourates médinoises, ce sont celles qui sont après l'Hijra, peu importe où elle a été révélée. Par exemple, après l'Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque, comme on va le voir peut-être aujourd'hui. Il y a des versets qui ont été révélés. Est-ce qu'elles sont mécoises ou médinoises? Elles seront médinoises à l'al-qawl sahih. Car le plus juste, c'est de dire que les sourates mécoises, c'est celles pré-égyriennes. Tout ce qui s'est passé avant Hijratun Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et toutes les sourates qui ont été, ou les versets qui ont été révélés après la Hijra, après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sourates médinoises. Non. Donc, Al-Masad, c'est une sourate pré-égyrienne, c'est-à-dire mécoise. Certains savants ont donné un ordre de révélation des sourates. Il faut savoir que, barakallahu fikum, il y a des sourates qui n'ont pas été révélées en entier. Certaines sourates, c'est certains versets qui ont été révélés, puis d'autres, où elles ont commencé à être révélées à un moment, puis elles ont été complétées avec d'autres versets qui ont été placés par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle sourate, dans tel endroit. L'ordre qu'on donne, c'est un ordre général, c'est pas un ordre précis. Certains donc voient que cette sourate, c'est la sixième sourate qui a été révélée dans l'ordre des sourates. Non. Ce qui a été rapporté de la cause de la révélation de cette sourate dans Sahih al-Bukhari, qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abihi, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti al-Badha. Al-Badha, c'est un endroit à Mecca. Et il est monté sur le mont. Et il a appelé Ya Sabaha. C'était la manière dont les Arabes appelaient pour dire qu'il y avait une nouvelle importante. Fajtama'a ilayhi Quraysh. Tous les Quraysh se sont réunis autour de lui. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
Si je vous disais qu'il y a un ennemi qui vous attaque dans la matinée ou dans la soirée, allez-vous me croire ? Ils ont dit oui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, alors je suis pour vous un avertisseur avant un châtiment très dur. Abu Lahab a dit, est-ce que tu nous as réunis que pour ça ? Tabbalaka, que tu sois, que tu périsses. Alors Allah ta'ala a révélé, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Non. Cette sourate, c'est un miracle du Coran. Car il est venu annoncer sur une affaire future. Quand cette sourate a été révélée, Abu Lahab n'était pas mort. Et cette sourate a révélé qu'il mourrait mécréant et qu'il serait en enfer. Rien que pour mettre les gens dans le doute, Abu Lahab aurait pu faire exprès de rentrer en islam pour aller à l'encontre de cette sourate. Mais il est mort mécréant. Donc, cette sourate, premièrement, elle est venue indiquer une chose qui va se passer dans le futur et effectivement, ce s'est passé comme Allah a dit. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Abu Lahab, c'était un des pires ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pourtant c'était son oncle. Alors, il n'avait ni accepté la religion, ni il n'a préservé les liens de parenté qu'il avait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qabbahahullah. Donc Allah tabarak wa ta'ala l'a blâmé avec ce blâme et cette humiliation énorme qui est cette sourate. Et subhanallah, une sourate qui donne la biographie d'Abu Lahab, à chaque fois que tu la récites, tu as des hasanat. Allah Ta'ala a voulu que le cas d'Abu Lahab soit un exemple pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Même si tu es l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si tu es de sa famille, mais si tu n'as pas cru dans son message et tu n'as pas suivi ses pas, tu mérites l'enfer. Et ça c'est une réponse aux Rafida, qui se nomment les Shia, qui exagèrent sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que ce qu'Allah nous a demandé de les aimer. Nous on les aime et on les respecte. Et on aime et on respecte les croyants de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils les adorent en dehors d'Allah. Ils leur donnent des spécificités et des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont même fait mieux que les messagers et que les anges rapprochés. Non. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses oncles, ont été en trois catégories. Ceux qui ont lié les liens de parenté, qui l'ont aidé, qui l'ont protégé et qui ont cru en lui. Ceux qui ont protégé les liens de parenté, qui l'ont aidé, qui l'ont défendu, mais qui n'ont pas cru en lui. Et ceux qui l'ont combattu, ils l'ont détesté, ils n'ont pas tenu les liens de parenté et qui n'ont pas cru en lui. L'exemple des premiers, c'est Hamza et Al-Abbas, le père de Abdullah, Al-Abbas. Hamza, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était le chef des martyrs. Le meilleur des martyrs, Hamza ibn Abi Talib, Asadullah wa Asadu Rasulih, radiyallahu anhu. Et l'Abbas, radiyallahu anhu. La deuxième catégorie, c'est Abu Talib. Abu Talib aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa personne, pour les liens de parenté qui le liaient à lui. Mais il ne l'aimait pas pour le message avec lequel il était venu. Et il n'a pas cru dans le message avec lequel il est venu. Donc il l'a protégé, il l'a défendu pour sa personne. Ça lui a été bénéfique, mais pas assez bénéfique. Quel bénéfice ? C'est qu'il aura un allègement du châtiment en enfer. C'est ça le bénéfice. C'est une shafa'a, ça aussi, c'est une intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à Allah le maximum qu'il pouvait faire pour Abu Talib. Car il ne pouvait pas lui demander de l'entrer au paradis car c'est un mécréant. Donc il a demandé à Allah de lui alléger son châtiment en enfer. Et quand il est venu dans le hadith sahih, il va avoir deux braises sous ses pieds qui sont tellement brûlantes que son cerveau va bouillir et il croit qu'il est en train de subir le pire des châtiments de l'enfer. Non. Jusqu'au dernier moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'effort pour qu'il croie, qu'il accepte l'islam, jusqu'à son lit de mort. Mais Julasa'su, les mauvais compagnons, ils ont été la cause de l'affermir dans l'égarement et de rester sur la religion de ses parents. D'où, subhanallah, le malheur et la gravité de s'asseoir avec les gens de l'égarement, les mécréants et les gens de la bid'a. Car Julasa'su, la mauvaise compagnie, c'est une cause de te diriger vers le mal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple, le bon compagnon et le mauvais compagnon. Le bon compagnon, c'est comme un vendeur de parfum. Ou bien il va t'en donner, ou bien tu vas en acheter, ou au minimum tu vas sentir la bonne odeur.
Alors que le mauvais compagnon, c'est comme un forgeron. Ou bien il va te brûler, ou bien au minimum, tu vas sentir la mauvaise odeur. Tu ne sors avec aucun bénéfice d'un mauvais compagnon. On voit aujourd'hui des gens qui se prétendent dans la sunna, qui ont pris pour alliés ou pour amis des mécréants ou des innovateurs. Comment il va être, lui, préservé d'être touché par leur mal? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé de s'éloigner de ces gens-là et de ne pas s'asseoir dans leurs assises. Le seul moment où on doit les fréquenter, c'est pour les appeler au khair, pour leur faire la da'wah, pour leur enseigner le bien, si on espère en eux qu'ils écoutent. Hein? Mais si on voit qu'ils sont butés dans leur position et qu'ils ne veulent plus écouter et qu'on leur a transmis et qu'on leur a éclairci et qu'on leur a détaillé, alors on se désavoue d'eux et on s'éloigne d'eux. Mais l'hajr, par contre, c'est autre chose. L'hajr, c'est hasab al-maslaha. Est-ce qu'on les exile, est-ce qu'on les met de côté ou non? Ça, c'est selon la force qu'on a. Si les ahl sunna sont en force et que l'hajr, il a un effet positif sur le fait que la personne se sent isolée, ça va être une cause qu'elle revienne, alors on le fait. Si par contre, vous êtes deux, trois pèlerins et vous faites l'hajr, et au contraire, les gens qui pouvaient s'approcher de la sunna, ils vont avoir une mauvaise image de vous. Et ils vont rien comprendre pourquoi vous faites cela. Alors dans ce cas-là, il y a pas c'est pas la maslaha de faire le hajr. Donc ça revient à la maslaha et à la mafsada. On regarde s'il y a l'intérêt de faire le hajr ou non. Non. Pourquoi on a parlé de ça? De Julasa Sou. Ceux qui sont venus, ils étaient autour du Abu Talib. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas délaisser la religion de tes parents? Alors il est mort et il a dit, je meurs sur la religion de Abdul Muttalib. C'est-à-dire la religion du shirk. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, jusqu'au dernier moment, il lui a demandé de dire la ilaha illallah, il n'a pas accepté. Ça, c'est aussi une réponse aux soufis, aux Tijani, aux soufis qui disent que Abu Talib est au paradis, qui disent que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au paradis, alors qu'il y a un hadith sahih où une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, où est mon père? Il a dit, il est en enfer. Après, il a vu qu'il était triste, il l'a rappelé, il lui a dit, mon père et ton père sont en enfer. Mon père et ton père sont en enfer. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe sur une chose de l'invisible qu'Allah ta'ala lui a révélée, et nous on vient, on dit ils sont au paradis. Non. Car pour les soufis, et comme aussi pour les rafidah, c'est les liens de sang qui sont plus importants. Ce n'est pas la foi et la vérité et les preuves, mais c'est les liens de sang. Quelqu'un qui est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible pour eux qu'il soit en enfer. Donc la troisième catégorie de personnes, c'est celui dont on parle dans cette sourate, Abu Lahab. Abu Lahab a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Et il l'a méprisé, il l'a combattu. Regardez, tout le monde se réunit, écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul à parler à lui, à invoquer contre lui qu'il périsse, c'est Abu Lahab, son oncle. Et il mérite bien cette kunya. Abu Lahab, hein, le possesseur des flammes, ou celui qui aura les flammes, celui qui brûlera en enfer. Non. Allah Ta'ala a dit donc, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a cité ses mains? Car les mains, c'est ce avec quoi on fait des actions, ce avec quoi on donne, ce avec quoi on prive, ce avec quoi on agit. Donc c'est pour ça qu'Allah ta'ala a cité ses mains. Car c'est avec ça qu'il fait du mal ou c'est avec ça qu'il aurait pu faire du bien. Donc ses deux mains sont maudites et périssent et lui-même périt. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ça c'est des traductions approximative, on va détailler. Ma arna anhu, les savants ont divergé. Est-ce que ma ici, c'est dans le sens, est-ce que son argent et ses biens lui ont servi à quelque chose? Dans le sens, non. Allah il demande dans le sens, comme toi tu dis, ça t'a servi à quelque chose que t'as fait? Dans le sens, tu réprimes la personne. C'est une question pour réprimer. Ou bien ma arna nafia, c'est-à-dire que ça lui a servi à rien. Dans les deux sens, ça revient au même. Sauf que le fait de demander, des fois c'est peut-être plus avilissant. Ah, ça t'a servi à quelque chose? Quand tu demandes à quelqu'un, ça t'a servi à quelque chose que t'as fait? La réponse, elle est dans la question, directement. Naam. Ma arna anhu, maluhu, c'est bien, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a accumulé, ça ne lui a servi à rien dans ce monde, car il n'a pas trouvé la bonne voie, et ça ne lui servira à rien dans l'au-delà, car ça ne préservera pas du châtiment de l'enfer. Wama kasab, les savants ont donné plusieurs interprétations à wama kasab, et ce qu'il a acquis. Comme il est venu dans les hadiths sahiha, que le kasb, tes enfants, ça fait partie de le kasb aussi, de ce que tu as acquis. Donc, wama kasab, ils disent, et ses enfants, sa descendance. Certains ont dit, wama kasab, ça veut dire sa descendance.
ni ses biens, ni sa descendance ne lui ont servi à rien. Mais sahih, c'est huwa a'am. C'est plus général que ça. Ça parle de sa descendance, ou de ses biens, ou de son argent, ou de tout ce qu'il a acquis, ou même de son honneur. Tout cela, ça ne lui a servi à rien, car il n'a pas trouvé le chemin de la guider dans ce monde, et ça ne le préservera en rien du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Naam. Et tout ce qu'il a acquis, ça ne lui a servi à rien, cet argent et ses biens, cette odeur qu'il avait de peut-être parmi Quraysh, qui l'a poussé à transgresser et à s'enorgueillir, ça lui servira à rien. Naam. Sayasla naran dhata lahab. Ça veut dire que le feu, il va l'entourer de toutes parts. Et ici, sayasla naran, le signe ici, c'est proche. Bientôt, bientôt, il brûlera dans un feu qui va l'entourer. Bien sûr, c'est bientôt, car ce bas monde, même s'il dure des siècles, ce n'est que peu par rapport à l'au-delà. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, quand on va leur demander combien ils sont restés qu'un moment de la journée, ou une après-midi, ou une matinée. Ça, c'est ce que les gens ils vont dire, combien ils sont restés sur terre. Donc, il est clair que c'est proche le moment où il va brûler en enfer. Donc Allah Ta'ala, il a affirmé, certes, il va brûler dans un feu qui est plein de flammes, qui vont l'entourer et qui vont le brûler, et cette promesse est très proche. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ. De même, sa femme, la porteuse de bois. Naam. Sa femme, qui était Ummu Jamil, sœur de Abu Sufyan, qui avait un grand rang chez Quraysh, c'est la sœur de qui? La sœur des chefs, d'un des chefs de Quraysh, c'est une Qurashiya, mais son rang, sa place, ça ne lui a servi à rien, elle non plus. Et malgré son rang et sa place, elle s'adonnait à des actes avilissants. Elle allait dans le désert avec à son cou une corde de fibre pour aller ramasser des bois épineux et les jeter dans les rues non éclairées pour nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Et elle portait cela donc sur son bois, sur son dos. Et aussi, il est dit que, à son cou, une corde de fibre. Ça, c'est ce qu'elle avait, comment elle utilisait. Elle utilisait une corde de fibre pour porter son bois. Mais aussi, ils disent qu'en enfer, elle aura une corde de fibre à son cou qui va la mutiler. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam.